Alors, nouveau TP aujourd'hui dans l'onglet modélisation 3D de TechnoOnce. Je vais choisir le TP3 maison utilisation des guides qui vont me servir à avoir des mesures très précises. Le sujet de départ est facile. Je vais tracer un rectangle de 8 mètres de large sur 12 mètres de long. Je vais ensuite faire le toit, la hauteur sur 2,60 m. Et je vais tracer ici une ligne verticale de 2 mètres pour faire mon toit tout simplement. En rajoutant sur les côtés une petite longueur de 0,1 m de manière à bien protéger les murs de la pluie qui va tomber du toit, je vais tracer mon toit et je vais l'extruder sur 12 mètres. Donc, manipulation relativement facile. Dans TechnoOnce, je pense à effacer le personnage. Je trace ici mon premier rectangle de 8,12. Je viens avec l'outil pousser, tirer, extruder sur 2,60, donc bien penser à la virgule. Je prends la ligne, je cherche bien le point du milieu qui se situe ici. Je monte sur l'axe bleu, attention, pas de travers, mais sur l'axe bleu de 2 mètres. Je viens chercher ici sur le bord l'axe rouge par là de 0,1 mètre que je viens relier sur ce toit. Je fais exactement la même manipulation sur l'autre côté, donc ici. Je trace ma ligne sur l'axe rouge par ici, donc de 0,1 mètre entrée. Je viens relier mon toit à cette ligne et je pense à supprimer ici ce trait qui ne sert plus. Donc pour extruder le toit, le plus simple est de partir de ce côté. Je prends l'outil tirer pousser et je viens sur une longueur de 12 mètres, de manière à avoir la totalité de ma maison. Et je vois ici que j'ai créé un petit bord ici pour protéger en fait de la pluie. Donc je viens chercher la suite dans TechnoOnce. Je reviens à mon sujet. Je vais ici donc extruder le toit vers le haut de 0,1 mètre dans les deux côtés, à droite puis à gauche. Je vais ensuite tracer une ligne et je vais venir tirer l'avant ici sur 0,2 mètres pour faire en fait une espèce de paravent ou de parapluie au niveau de la maison. Donc, manipulation un peu plus précise dans TechnoOnce. Donc, je viens ici extruder cette surface de 0,1 entrée. Je pense à tracer une ligne qui va venir de ce point-là à ce point-là. Je pivote sur l'autre côté, je fais exactement la même manipulation. Donc je viens extruder ce toit-là de 0,1 mètre entrée. J'en profite pour tracer ma ligne ici. Hop. Je vais venir sélectionner avec le pointeur cette surface-là et je vais venir l'attirer vers l'avant de 0,2. Même manipulation sur l'autre côté de 0,2. Donc, si je zoome un petit peu par-dessous, je vois en fait que j'ai ici créé une espèce d'avancée pour bien protéger ma maison de la pluie. Donc, je reviens sur TechnoOnce. Nous allons maintenant tracer les fenêtres. Alors, pour tracer ces fenêtres, nous allons utiliser l'outil mètre en respectant ces mesures, donc 1,2, 1, 1,8, 1, 2,3, 1,2, 1,5, 1 et 1. Attention, il faudra bien suivre l'axe vert et chaque fois saisir les mesures au clavier. Donc je reviens sur mon dessin. Je peux pivoter un petit peu pour être plus précis. Donc je prends ici l'outil mètre. Alors je mets juste le premier point, je me déplace, hop, raté. Donc je prends ici mon mètre, je me déplace vers la droite ici. Il ne veut pas. Donc je réessaie, je prends le mètre et je viens par là, voilà. J'écris 1,2 mètre entrée, puis j'avais une distance de 1 mètre, donc 1 ici. Je pars vers la droite, je saisis 1,8 entrée, je continue sur 1 mètre, toujours sur l'axe vert, attention. Puis j'avais 2,3, attention à l'axe vert, 2,3 ici. 1,2. 1,5, 1 mètre et 1 mètre. Normalement, je devrais me retrouver sur l'extrémité de la maison. Pour les mesures du bas, donc je vais prendre l'outil mètre, je vais partir à 0,6, puis à 0,2, puis à
1,3. Donc ce sont des guides qui seront horizontaux. Donc dans Technose, je reviens, je pars du bas, je monte par ici, 0,6, entrée, puis 0,2, et la dernière à 1,3. Et en fait, j'ai tracé l'emplacement de toutes mes fenêtres. Il me suffit maintenant, avec l'outil rectangle, de tracer 1, 2, 3, 4 fenêtres, puis un arc de cercle dessus sur une mesure de 0,2 pour en fait créer mes fenêtres et de supprimer le trait inutile. Donc je reviens dans mon sujet, je peux zoomer un petit peu, je vais tracer ici ma fenêtre de là à là, je recommence ici de là à là, je recommence sur celle-là et je vais venir sur ma dernière partie, hop, ici, pour tracer la dernière fenêtre. Nous allons maintenant travailler sur l'arc de cercle. Il vaut mieux zoomer un petit peu, très bien précis. Donc je prends l'arc de points. Je viens de ce point à ce point. Je monte vers le haut et j'écris 0,2 entrée. Je recommence sur cette mesure, donc les deux extrémités. 0,2 entrée. Et je fais cette manipulation 4 fois. 0,2 entrée. 0,2. Entrée. Je peux à ce moment-là effacer ce trait-là, ce trait-là, ce trait-là et ce trait-là. Donc retour dans le sujet, ici je vais supprimer, en fait ce n'était pas une fenêtre mais c'était une porte sur la troisième partie. Je vais ensuite avec l'outil décalage donner un petit peu de relief ici à mes trois fenêtres et à ma porte. Donc, je vais décaler de 0,1. Et je vais terminer mon dessin en extrudant vers l'intérieur de 0,2. Donc je commence par corriger ma porte, c'est très facile. Je viens ici tracer mon rectangle comme ça. Donc j'efface le trait inutile là. Je vais prendre l'outil décalage pour venir décaler cette surface de 0,1 mètre vers l'extérieur. Donc je recommence sur cette partie-là. 0,1 mètre ici, également sur la porte, donc 0,1 mètre, la dernière fenêtre ici, donc 0,1 mètre, je prends l'outil gomme pour effacer ici, hop, mes traits inutiles, et je vais venir extruder pour donner un petit peu de volume ici, alors de 0,2 mètre. Je recommence 4 fois cette manipulation, y compris pour la porte, 0,2 mètres et 0,2 mètres. Et je vois en fait que j'ai travaillé de manière très précise. Alors pour supprimer les guides, il y a plusieurs manières de le faire. Je peux très bien aller dans affichage, ici cacher les guides, mais en fait ils y sont toujours. Donc il vaut mieux laisser les guides. Je peux très bien prendre la gomme ici, venir les supprimer de manière à alléger mon dessin. Donc, manipulation qui est un peu plus longue, mais qui me permet toutefois d'avoir un travail très précis. Donc, je vous laisse imaginer le reste de la maison sur les autres faces. Vous pourrez également faire tous les coloriages des murs, des toits, des fenêtres, etc. Vous pourrez rajouter la cheminée. Donc, petit rappel, on ne fait jamais la cheminée sur le toit. On prend toujours la cheminée à côté ici. Donc, je l'extrude vers le haut, comme ça. 3 clics pour venir supprimer ma cheminée. Et avec l'outil déplacer, je viens la positionner sur le toit. Et à ce moment-là, il me suffit de la retracer. Donc je pivote, comme ça. Je viens, par exemple, bouger cette partie ici, comme ça. Je peux l'amener par là, je peux la décaler par là. Et je peux la placer vraiment à l'endroit où je veux. N'oubliez pas de faire un petit décalage tant que vous y êtes ici à l'intérieur pour le passage de la fumée. Donc, je vais venir extruder vers le bas. Voilà, bon travail et bon courage pour ce TP très sympathique.